Je m'appelle Julie Jacob. Je suis actuellement, et après un parcours professionnel assez varié, ensemblière décoratrice pour des tournages de films et de séries, et ce principalement en Belgique. Je travaille pour l'audiovisuel, je suis payée, je reçois de l'argent sur mon compte en banque pour aller faire du shopping. Donc je vais dans les magasins, de brocante ou pas. Le mieux c'est de trouver ces objets en location, mais c'est pas toujours possible, donc il faut acheter du matériel pour pouvoir constituer un décor. Et donc mon travail c'est de faire acheminer tous ces éléments de décor vers des lieux de tournage, constituer le décor, préparer tout pour que le reste de l'équipe technique puisse arriver, les acteurs prennent possession de l'endroit, on tourne la scène et une fois que c'est terminé, moi je dois démonter le décor et la plupart du temps se débarrasser de tous ces objets parce que nous n'avons pas, c'est pas notre métier de stocker ces objets. Alors Exicle, c'est en fait, je trouve que tous les mots recyclage, ressourcerie, sont galvaudés, utilisés à tout bout de champ dans n'importe quelle occasion et commerce. Et donc je cherchais une façon de dire qu'on sort du cycle. Et donc je suis dans le Exicle. J'aimais bien le fait que ce soit complètement illisible et que donc chacun interprète le nom à sa manière. Il n'y a pas besoin de le dire correctement pour être bien vu. Ça fait quand même quelques années maintenant que je cherche une solution, que j'essaye de mettre au point une solution pour pouvoir récupérer ces éléments de décor, pour pouvoir les mettre en valeur. Alors je me dis, chouette, j'ai une idée, je vais tout récupérer. Mais du coup, je me rends vite compte qu'il y a une masse d'objets gigantesques dont je ne sais pas quoi faire et je ne sais pas comment gérer cette masse de déchets. Donc ça y est, deuxième idée, je vais rendre cette masse de déchets très intelligente. Donc je vais pouvoir catégoriser les objets pour savoir à tout moment ce qui se trouve où et pour pouvoir en disposer. Rencontrer le hub, ça m'a permis non seulement de me sentir comprise, mais donc de pouvoir aller de l'avant et de pouvoir continuer à réaliser mon projet, à imaginer que c'est possible de réaliser ce projet, parce que c'est une grande entreprise. Et ça m'a permis aussi de m'affirmer dans la présentation de mon projet, dans le challenge du projet, dans la confrontation avec d'autres avis, et donc de renforcer mon argumentation, mais également renforcer les bases du projet. C'est d'accepter les avis des autres et les opinions des autres parce que ça permet d'élargir son propre point de vue. Mais ça permet de réfléchir sous d'autres angles et donc de pouvoir complémenter son projet comme une boule à facettes. On rajoute un petit morceau en plus et ça fait des connexions avec le reste et on crée un ensemble cohérent parce que justement on se nourrit de l'opinion des autres.